J'ai reçu un petit colis aujourd'hui de chez Vénus Diffusion. D'ailleurs, ils ont une petite vitrine sur Paris. Si vous passez par là, vous pourrez aller voir. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Un petit cabron de pot, pratique pour nettoyer, polir des petites choses. Un petit panier pour le nettoyage aussi, c'est bien. Deux produits à tester de chez Elma. Je ferai une petite vidéo à l'occasion. Si vous avez une idée de, bon, pas de ce que c'est, mais de ce que je vais en faire plutôt, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Porte-mouvement, tournevis, encore des tournevis, j'en ai un paquet. Pour mon projet en cours, je sais que certains sont déjà au courant. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Des loupes pour ceux qui ont des lunettes. Quelques poires, des souplettes. Encore des tournevis. Encore des loupes, loupes de contrôle. Des 2,5, des poids 12. Des bûchettes en plastique. Encore des porte-mouvements. Ça c'est intéressant. Des Bruxelles de chez Dumont. Peut-être des petites choses qui se cachent. Quelques vis. Pratique. Ça, vous aurez deviné sans que j'ouvre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Sinon, il faudra que je parte à la pêche. Ah non, il y avait ça aussi. Voilà, ils sont bien cachés au fond. Les petites cloches. Parfait. Donc voilà tout ça. Et ben, on va pouvoir attaquer le projet. Allez, je vous en dirai un peu plus tard. Ciao. Si j'avais oublié une dernière petite chose, les petits sous-mains Eurotech souples et assez épais, ceux-là sont vraiment bien. Forcément, il y en a quelques-uns, il y en a 5. Voilà. Puis si vous savez pas ce que c'est, que vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai des petites vidéos là-dessus. Allez, à plus!